Ah oui, j'oubliais parce que je m'en vais parce que j'ai un spectacle. Bon, on m'a demandé aussi mon avis. Hein, on me demande un peu mon avis sur tout, ce qui est logique, hein, puisque j'ai un avis à peu près sur tout. Qu'est-ce que je pense du réalisateur danois, là, Lars von Trier? Alors lui, Lars von Trier, bon, il a redit des choses, effectivement. Alors, Quenelle 275, et puis il a enchaîné Quenelle épaulé. Hein. Bien sûr, il a tout mon soutien. C'est vraiment un réalisateur de talent. Bon, son dogme, visiblement, s'est élargi. Aujourd'hui, il arrive à dire des choses. Bon, Hitler, il comprend. Bon, quelque part, si vous voulez, même il est nazi, qu'il s'en fout. Quoi, je pense pas qu'il soit nazi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà un homme qui nous permet quand même aujourd'hui de dire, bon, on a quand même le droit maintenant de parler et de dire ce qu'on veut, même si on a envie de dire des conneries. D'ailleurs, les conneries sont dites, je sais pas pourquoi, les autres n'iraient pas droit non plus. Tout le monde dit n'importe quoi. Donc à un moment donné, surtout que lui, j'ai trouvé, en plus, personnellement, hein, bon, moi j'ai rien, je suis pas danois, je suis pas allemand, mais je trouve que ce qu'il a dit, c'est intéressant. C'est intéressant, du tiens. Personnellement, je trouve ça plus intéressant que le discours d'ouverture de Cannes. J'y étais pas, hein. Mais on m'en a parlé. Et apparemment, c'était chiant, les gens avaient envie de dormir. Donc, je soutiens, et je lui propose d'ailleurs, il sera nominé aux Quenelles qui auront lieu le 13 juillet prochain. Et je pense qu'il va accepter cette Quenelle, il sera avec nous. Donc, Lars, prépare-toi, je crois que la Quenelle, elle sera pour toi.